Bonjour. Je ne sais pas que je disais que vous ne m'entendez pas. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous retrouver. Voilà. Moi, je voulais soyez béni, voilà. Je vais. Mais tu m'as laissé tomber, Ben. Ah, la fille de la grande dame de Dassioko, tu m'as laissé tomber. Moi, je croyais que tu m'avais supprimé. Déjà, tu es entré en brousse. Tu allais bien te reposer sans me prévenir. Tu es béni. Bon, il y a trois petites informations que je voulais vous donner. Trois petites informations qui m'intéressent. Trois petites informations qui sont formidables, mais qui concernent la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que notre pays-là n'est pas normal. Je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays normal. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire est un pays supranormal. C'est-à-dire, like, au-delà même de tout ce qui est normal. Alors, bien des fois, les gens parlent, mais personne n'écoute. Bien des fois, les gens avertissent, mais personne n'écoute. Bien des fois, on tire sur la sonnette d'alarme, mais on estime, pour beaucoup, pour ceux qui sont abonnés aux injures, ils sont... Ah, tu ne peux pas me bloquer, tu connais l'affaire. Et donc, les gens estiment que... Allons vous parler dans le vide, vous parlez dans le vide, vous dites n'importe quoi, etc. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un monsieur, honnêtement, je n'ai rien contre sa personne, mais en tant que politicien, en tant que personne qui a toujours usé de roublardise, de violence, de mensonges, etc., de tricherie pour arriver au pouvoir, je parle d'un monsieur que moi je n'ai jamais supporté, et que je combats. Je n'ai rien contre sa personne, je vous le dis. D'ailleurs, je peux prier même pour qu'il devienne chrétien, mais je n'aime pas sa façon d'avoir fait irruption dans la politique ivoirienne, sa façon d'avoir instrumentalisé le peuple ivoirien, sa façon d'avoir instrumentalisé par le mensonge et par la manipulation, et finalement avec le meurtre, cette façon-là, qu'il a utilisé pour arriver au pouvoir, je déteste ça. Je vous l'ai dit, et c'est pourquoi je le combats. Je pensais que quand il est arrivé au pouvoir, au forceps, avec tous les moyens qu'on sait, je pensais qu'il nous aurait donné tort. Il m'aurait personnellement donné tort pour dire, ah, vous avez usé de préjugés, mais aujourd'hui, le monsieur, voilà, il est là. Et il a fait le contraire de tout ce que vous lui reprochiez. Que non, il nous a bien sûr confortés dans notre position, parce que c'est le même menteur, c'est le même roublard, il ne dit pas la vérité, c'est le même manipulateur, c'est la même chose. Alors je vois en Côte d'Ivoire, pendant que l'État ivoirien a au préalable mis un couvre-feu ensuite, ils ont confiné le grand Abidjan. Après, ils ont fait, pendant ce temps, ils ont fermé les boîtes de nuit. On empêche les gens de travailler, etc. Pour ceux qui travaillent dans la nuit et pour certains boulots qui sont liés, bien sûr, dont certaines décisions sont catastrophiques, pour lesquelles certaines décisions sont catastrophiques, eh bien, on constate en Côte d'Ivoire pendant ce temps, et cela depuis, peut-être avant, mais je veux dire cela depuis la mort de Gon Coulibaly. Alors, le RDR, parce que s'il s'agit du RDR, bon, on va essayer de l'habiller un peu. RHDP, donc RDR, RHDP, se lève. Et pendant ce temps, Vagondo est là. Hein? Vagondo qui va produire un communiqué plus tard. Mais pendant ce temps, Vagondo est là. Il participe probablement aux obsèques. Et le RDR réquisitionne le parc des sports de Trècheville. Le même gouvernement qui, n'est-ce pas, envoie des SMS du matin au soir et du soir au matin aux gens. Chaque jour, vous
Il n'y a pas un Ivoirien en Côte d'Ivoire qui ne reçoit pas des SMS pour l'emmener à respecter les mesures barrières, pour l'emmener à ne pas s'exposer au Covid et ne pas aussi exposer les autres à la Covid. Bon, mais pendant ce temps, le RDA a réquisitionné le parc des sports. Et pendant qu'ils ont réquisitionné le parc des sports, ils étaient des milliers de personnes, pour beaucoup sans masque, qui n'ont pas respecté la distanciation sociale. Je vous assure qu'ils n'ont pas respecté la distanciation sociale d'au moins un mètre, qui n'ont respecté aucune mesure barrière. Et ils sont là, d'après eux, ils commémorent, ils saluent la mémoire de Gon Coulibaly. Mais il n'y a pas que ça. Quand ils finissent au parc des sports, ils ne donnent aucun justificatif. Hein. Ils s'en vont maintenant à Korogo. Et là-bas, c'est un monde fou. Les gens, les uns se frottant contre les autres. C'est un monde absolument fou. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui étaient à Korogo. Toutes les villes voisines, tous les peuples alliés sont venus, tous les peuples avec qui les Korogolais sont en alliance, les Senoufo sont en alliance, sont venus. Et quand ils finissent ça, c'est-à-dire qu'ils ont fini d'enterrer Gon Coulibaly, Vagondo va maintenant se rappeler, ou alors le porte-parole du gouvernement va se rappeler qu'en fait, le Covid existe toujours en Côte d'Ivoire. Le Covid, ou bien on dit que c'est la Covid ou le Covid. La Covid. Bon, la Covid existe toujours en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent un nouveau communiqué avec à l'intérieur de ce communiqué des menaces qui ne sont même pas voilées, des menaces directes faites à tous ceux qui vont violer, tous ceux qui vont violer toutes les règles barrières ou toutes les mesures édictées par le gouvernement pour, n'est-ce pas, combattre la COVID-19. Alors, moi, j'en étais étonné. Je me suis dit, mais attends, il y avait les funérailles, la COVID existait. Ils finissent avec les funérailles, ils lancent un communiqué pour dire, on ne veut pas voir quelqu'un, on ne veut pas voir un rassemblement de plus de 50 personnes, on veut le respect de la distanciation. OK. Il se trouve que, dans leur manipulation, dans leur magouille, ils ressortent encore, et c'est Dalloa qui donne le ton. Cette fois-ci, pour motif qu'on veut célébrer la mémoire de Amadou Gon Coulibaly, vous avez des milliers de gens à Dalloa qui sortent pour, soit dit en passant, réclamer un troisième mandat pour Alassane Ouattara. Là encore, M. Vagondo n'a pas sévi. Hein. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que hier, les femmes du RDR se sont rassemblées à leur tour au parc, à Anoumambo. Et là aussi, à Anoumambo, on leur a cédé la salle, sans qu'on refuse à Yodé Siro, sans qu'on refuse à Salfo, ou sans qu'on refuse aux chanteurs ou aux chantres ivoiriens. On leur refuse cette salle au motif que le COVID-19 tue. Donc on dit que eux-là, ils ne doivent pas danser. Eux-là, ils doivent rester à la maison. Leur gagne-pain est mis sous scellé jusqu'à ce qu'on soit certain que le COVID-19 a été vaincu. Mais pendant ce temps, les femmes du RDR qui probablement ont le vaccin anti-Covid, les hommes du RDR qui probablement ont le vaccin anti-Covid ou alors qui ont des discussions franches avec la COVID-19, j'ai toujours des problèmes là ou là, I don't care. Qui ont des discussions directes avec la COVID, ceux-là, ils peuvent appeler la COVID pour dire, bon, écoutez, nous, on va se rassembler à Anoumambo. Et comme on se rassemble à Anoumambo, bon, écoute, la COVID, tu attends un peu, quand nous, on finit, et puis tu reviens. Là encore, Vagondo ne va pas sévir. Mais ce qui était plus choquant, c'est que hier, je me suis assis, et puis je suis allé sur YouTube, j'ai pu retrouver le journal télévisé de 13h et de 20h posté sur YouTube. Alors, je regarde YouTube à 20h et j'ai eu l'impression que j'avais affaire à TCI. C'est-à-dire qu'une télévision qui a été prise en bail par les militants du RDR, et il n'y avait que du Alassane et du troisième mandat et des fans du RDR qui passaient au journal télévisé de 20h. On en a fait la publicité. Et pendant ce temps, pendant que cette femme montre, comment on appelle ça, montre le rassemblement de Dalloa,
Elle montre le rassemblement de Anoumambo. Elle montre le rassemblement des gens qui sont venus voir la Sainte Ouattara sur lui à la maison pour dire, et puis ils sont là, ils crient à toute tête, Ouattara, président, Ouattara, président. Elle finit de montrer tout ça. Bangodo n'a pas encore sévi, hein. Et à la suite de ça, cette femme-là va dire, le COVID, du moins la COVID-19 existe. La COVID-19 existe, nous devons respecter les mesures barrières. Mais voilà un pays, c'est incroyable. Mais c'est incroyable ce que Ouattara et le RDR sont en train de faire à la Côte d'Ivoire. C'est incroyable ce que le RDR et Ouattara sont en train d'infliger à ce pays. Alors les églises n'ont pas le droit. Les églises ne peuvent pas se rassembler à plus de 50 personnes. Peut-être les mosquées aussi. Alors, les hommes religieux ne peuvent pas se rassembler au motif que, selon vous, nous, on peut contaminer des gens. Mais vous, les politiciens, vous êtes OK. En tout cas, tant que c'est dans le sens du roi Ouattara, tant que c'est dans le sens du souverain Ouattara, alors tout marche pour le mieux et nous ne sommes pas sanctionnables. Et vous, et personne n'est sanctionnable. En tout cas, si par exemple moi, je marche en Côte, je rassemble des gens, et que ce n'est pas dans le sens de Ouattara, et qu'on me supprime avec 100 personnes, on est capable de m'arrêter, de me mettre en prison, de me faire payer ça. Mais si je leur dis tout de suite que c'est dans le sens de Ouattara pour soutenir la troisième mandature, ou bien je ne sais pas quoi, le troisième mandat de Hassan Ouattara, alors, les gens vont dire, mais ok, non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que tous ceux qui chantent les louanges du roi Ouattara, tous ceux qui chantent les louanges du roi Ouattara, sont de facto immunisés contre la COVID-19. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Tous ceux qui chantent les louanges du roi Ouattara sont d'office immunisés contre la COVID-19. Voilà ce que ça veut dire. Et donc aujourd'hui, je vais encore sur Facebook et je constate que mon quartier, Port-Boué, est rentré dedans. Voyez les gens coller les uns avec les autres, sans masque, etc. En train de dire, Ouattara, troisième mandat. Partagez ce direct, s'il vous plaît. J'ai des choses, je reprends du service parce que je crois que je me suis assez tu, je reprends du service. Voilà, je reprends mon travail. Voilà, je m'étais dit, bon, peut-être que le gars là, il va plus se présenter, donc on va passer à autre chose. Mais il semble que mon type là veut se présenter. Partagez au moins une fois ce direct pendant que vous êtes en ligne. Et Paul Boué aussi est entré dans la danse. Paul Boué. Alors moi, je vais parler à M. Vagondo. Vagondo n'est pas... Honnêtement, je viens de constater que M. Vagondo n'est même pas là pour faire respecter la loi. Il est là pour faire respecter la volonté du roi Hassan Ouattara. C'est pour ça qu'il est là. Il est là pour faire respecter la volonté du roi, ou bien du souverain Hassan Dramane Ouattara. C'est pour ça qu'il est là. Autrement dit, si la loi était pareille pour tout le monde, on aurait empêché, et je vous assure que ces militaires-là ont les moyens de pouvoir disperser une manifestation. Ces militaires-là ont les moyens de pouvoir empêcher les gens de se rassembler. Mais non seulement ils se rassemblent, mais vous voyez que sur des photos même, ils sont encadrés par la police. Donc, il faut dire que l'ordre a été donné par la hiérarchie d'encadrer les marcheurs, d'encadrer les gens, de les encadrer, de faire en sorte que tout se passe très bien. Pendant que ces mêmes policiers ont reçu l'ordre de faire respecter dans les églises, dans les mosquées, etc., de faire respecter. C'est la COVID ou bien le COVID. Moi, je ne comprends pas votre affaire là. Dites-moi, c'est quel mot on utilise. Eh bien, c'est la COVID ou bien le COVID. Vous la votre truc depuis, je ne suis pas bien, je ne comprends pas votre affaire. Là où le... Donnez-moi l'article qui va avec et puis on va aller. Et donc, la police même encadre les gens. La police les encadre. Et leur permet de marcher tranquillement pour demander un nouveau mandat. Ou pour pouvoir demander à la Hassan Dramane Ouattara un nouveau mandat pour se présenter. Là, merci beaucoup. Pour se présenter. Pendant ce temps, je vous assure, hein,
Si les églises ouvrent aujourd'hui à plus de 100 personnes, des policiers zélés vont aller dans les églises. Des policiers zélés vont aller dans les églises et ils vont aller prendre les instruments. Oui, des amis pasteurs ont été menacés comme ça. Parce qu'ils ont ouvert l'église et des gens sont allés les menacer. Donc, on peut accepter que des gens, marchent au nom de Ouattara, marchent pour pouvoir soutenir Alassane Dramane Ouattara. Ok, pour qu'ils se présentent, mais on ne peut pas accepter que des gens se réunissent. La liberté de culte, ça existe quand même en Côte d'Ivoire. Ça existe quand même en Côte d'Ivoire. Donc, ils empêchent que les gens se réunissent, etc., pour prier. Et quand vous leur demandez, ils disent, on a porté des masques. Mais à l'église aussi, on peut porter des masques. À l'église aussi, là. Nous aussi, on peut porter des masques. On peut aller à l'église et puis respecter la distanciation. Ça dépend de nous. Ce sont nos salles. Vous comprenez? Donc, on peut aller à l'église et puis porter des masques. Si à 15, 20, 30 000 personnes, vous pensez que vous êtes tant en sécurité, vous pensez que vous êtes trop à l'aise en portant vos masques, mais nous aussi, en tant que chrétiens, on peut porter aussi nos masques tranquillement et puis aller à l'église. Nous, on peut porter le masque aussi. Moi, je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres, mais je parle pour les chrétiens. Nous aussi, on peut porter nos masques pour aller à l'église. Mais vous empêchez les gens de se rassembler, de faire des croisades d'évangélisation. Vous empêchez les gens de pouvoir prier, de faire des veillées de prière. Même pour prier pour le pays, vous les empêchez de le faire. Mais vous, vous pouvez vous rassembler pour demander un autre mandat de Ouattara. Pour pouvoir clamer haut et fort que Ouattara doit se présenter. Et ça, la gendarmerie ne voit pas. Ça, Vagondo ne voit pas. Ça, le porte-parole du gouvernement ne voit pas. Ça, aucun ministre ne fait un poste pour pouvoir dénoncer ça. Ça, personne ne le voit. Mais nous, on peut croiser les bras, rester à la maison sans avoir à dire quoi que ce soit parce que la loi ne s'applique que aux gens qui ne sont pas du côté de Ouattara. La loi en Côte d'Ivoire ne s'applique qu'aux gens qui ne sont pas du côté de Ouattara. Les gens qui sont du côté de Ouattara, la loi ne s'applique pas à eux. Et ça a été toujours comme ça dans ce pays. Ça a été toujours comme ça. Regardez par exemple, les catholiques ont voulu marcher ici dernièrement. Et vous avez un gars qui s'est levé. Comment il s'appelle même ce gars-là? Comment il s'appelle ce voyou, ancien braqueur, qui s'est levé? Et puis ils disent, tout le monde sait où il est, on sait où il habite, tout le monde sait où il habite. Il s'est levé. Et puis Al-Mustapha. Et puis il menace les catholiques. D'autres même qui disent, on va verser leur sang, comme le sang de leur Jésus. Là. Ce monsieur-là est encore là. Jamais, jamais une procédure n'a été menée contre ce monsieur. Jamais, jamais, jamais une procédure n'a été menée contre lui. Jamais une procédure n'a été menée contre lui. Jamais de la vie. Ces messieurs-là sont là, ils vivent tranquillement, ils vivent en Côte d'Ivoire. Mais un petit va se lever. Il va faire un petit commentaire sur les réseaux sociaux. Là, Adou Richard voit clair. Adou Richard, là, lui, voit. Adou Richard n'est sur les réseaux sociaux. Sur toutes les plateformes politiques, il n'est là-bas que pour chercher, pour casser du pro-Babo ou pour casser tous ceux qui sont contre Alassane Ouattara. C'est tout. C'est tout, hein. Ils sont sur les réseaux sociaux, là. Le Adou Richard dont je parle, lui, moi-même, on dit, on me cherche. Bon, ok, moi-même, je lui parle. Adou Richard, lui, il est sur les réseaux sociaux, là, pour chercher qui parle mal de Ouattara. Pour chercher qui parle mal de Ouattara. Mais ceux qui menacent même les citoyens de Côte d'Ivoire, qui les menacent de mort, qui menacent des catholiques de mort, qui menacent des évangéliques de mort, qui menacent des chrétiens de mort, qui menacent les Ivoiriens de mort. On a même des étrangers en Côte d'Ivoire qui se lèvent, et quand on parle de ça, des gens, ça les énerve, qui se lèvent et qui se mêlent même de la politique, qui peuvent insulter les Ivoiriens, qui peuvent les menacer pour dire, on va vous découper. Des gens qui font des vidéos, on sait où ils sont, aucune procédure n'est menée contre eux. Ils prennent des, ils disent, nos frères Djoula, commencez à acheter des machettes. Mettez ça chez vous, achetez des machettes. Si ça commence là, on va les tuer, on va les massacrer. On a vu tellement de vidéos de ce genre. Et curieusement, c'est incroyable, mais curieusement, ils ne sont pas sanctionnés. Personne n'est sanctionné. Jusque-là, aucun partisan du RDR qui a eu des propos de menace de mort, qui a eu des propos guerriers, des propos pour vouloir verser le sang d'un Ivoirien, des propos de haine, de rébellion, etc. Ces gens-là n'ont jamais été inquiétés. Mais une simple fille, pendant les funérailles de Arafat,
Quand ils sont allés l'enterrer, qui a repris le poste de quelqu'un qui l'a posté, en une fraction de seconde, ils ont retrouvé cette fille-là. On l'a mis en tôle. Ça, ils sont rapides. Cette célérité-là, ils excellent dedans. Mais ils voient les militants du RDR détruire les gens, attaquer, insulter, matin, midi, soir. Personne n'intervient. Voilà le pays que Alassane Ouattara est en train de, comment dire, de transformer. Et je constate qu'en réalité, le but de Ouattara, c'est de brûler le pays. Oui. Je l'avais dit en 2018. Et je le dis encore aujourd'hui. Ouattara est en train de mettre en place des bombes à retardement dans la nation. Parce que lui, il est sûr de comment il va fuir. Lui, il est sûr qu'il peut prendre un hors-bord, ensuite rallier le 43e Bima, prendre son avion, aller à Mougins, et puis il n'y a pas de problème. Mais Ouattara, en réalité, là, il est en train de semer en Côte d'Ivoire des bombes à retardement, de sorte à ce qu'après lui, ce soit le chaos, après lui, ce soit la guerre, après lui, ce soit la destruction en Côte d'Ivoire. C'est ce que Ouattara est en train de faire. Ouattara a réussi ça en Côte d'Ivoire. Parce que jamais en Côte d'Ivoire, une telle injustice n'avait atteint son paroxysme. Jamais en Côte d'Ivoire, jamais auparavant, l'injustice n'avait atteint autant les cimes des cieux. Autant. C'est la première fois qu'on voit ça en Côte d'Ivoire. Où de façon claire, un gouvernement ne se cache pas. De façon claire, un président ne se cache pas. Ses sbires ne se cachent pas. Ses militants ne se cachent pas. Les gens qui sont avec lui ne se cachent pas. Ils manifestent leur haine. Ils insultent. Et puis, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça ne va pas quelque part. Ils insultent. Et comme on dit, ça ne va pas quelque part. Vous comprenez? Ça ne va pas quelque part. Jamais en Côte d'Ivoire, l'injustice n'avait atteint autant son paroxysme. Autant, jamais. Mais les gens du RDR, dites-moi, vous ne trouvez pas que vous exagérez? RHDP, là, vous ne trouvez pas que vous exagérez? Et vous allez voir dans peu de jours. Pour l'instant, l'opposition n'est pas sortie. Parce que l'opposition estime que ce sont des bruits de couloir. Et que pour l'instant, de façon claire, Alassane Ouattara lui-même, de façon officielle, n'a pas encore dit qu'il est candidat. Voilà pourquoi l'opposition ne se manifeste pas. Par poste interposé, ils essayent de parler. Par intervention, mi-figue, mi-raisin, ils essayent de parler. Mais puisque Alassane Ouattara lui-même n'a pas encore dit qu'il se présente, tout le monde évite d'aller en besogne pour ne pas commettre une faute politique. On l'attend. Mais si vous remarquez bien, quand Alassane Ouattara va arriver, et puis Alassane Ouattara va dire, quand Alassane Ouattara va dire qu'il est candidat, je vous assure que quand l'opposition va vouloir marcher, Adou Richard va sortir pour faire une déclaration. Adou Richard va faire une déclaration. Vagondo va sortir pour sévir. Les militaires vont se mettre dans la rue et peut-être tirer à vue sur toute personne qui est dans la rue. Ils sont spécialistes dedans. L'opposition n'a pas encore marché. Là, il y a Covid. Mais quand l'opposition va commencer à marcher, ils vont mettre en avant avec obligation de faire respecter les mesures par les forces de l'ordre. Ils vont faire respecter les mesures et frapper l'opposition pour dire qu'ils sont en train de répandre la Covid-19. Les opposants n'ont pas encore marché. Les autres ont marché, personne n'a parlé. Pogbo est en train de marcher aujourd'hui, personne ne parle. Personne ne parle encore, je vous assure, personne ne parle. Mais je vous assure que lorsque l'opposition va se mettre dans la rue, tout le monde va parler. Du moins les gens du RHDP, là, ils vont même pas seulement parler, ils vont empêcher les marches, ils vont frapper, au besoin même, ils vont tuer. C'est comme ça. Vous comprenez ce que je dis? Ils vont au besoin même tuer. C'est comme ça. Vous comprenez ce que je dis? Frères et sœurs, voilà ce que Alassane Ouattara a fabriqué en Côte d'Ivoire. Et quand on parle de ça, vous avez toujours des gens qui sont sauvages et bêtes. Je ne sais pas si vous pensez que la Côte d'Ivoire, que Alassane est en train de détruire, là, si vous pensez que c'est nous qui sommes plus propriétaires que vous, parce que toi qui es du Nord, là, c'est aussi ta Côte d'Ivoire. En fait, il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui,
tu es derrière Ouattara, que c'est moins, c'est plus ma Côte d'Ivoire ou, que la tienne, ou c'est plus ta Côte d'Ivoire que la mienne. C'est notre Côte d'Ivoire que ce monsieur est en train de détruire. La loi fondamentale qu'est la Constitution n'est pas une Constitution qui s'applique seulement à une partie des Ivoiriens. Elle est censée s'appliquer à tout le peuple. Et ça ne doit pas être un machin que chacun se lève pour modifier au gré des circonstances et des gens. Là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir donc une constitution d'un pays? Et regardez bien, bientôt ils vont frapper les opposants. Si Ouattara est président, si Ouattara est candidat là, ils vont frapper les opposants. Si Ouattara est candidat là, vous allez voir Vagondo, mais revêtir ses amis, ses habits de milice de quoi, de la sécurité de quoi, mais il va revêtir ses habits là, mais pour chasser les gens qui sont contre, d'après eux, les mesures barrières. Et qui se lèvent contre Alassane Dramane Ouattara. Voilà aujourd'hui où nous sommes arrivés. Voilà aujourd'hui où nous sommes arrivés. Voilà le pays qu'on a fabriqué. Parlons même de ce troisième mandat. Moi, j'ai été l'un, dès que Alassane Ouattara a dit qu'il était candidat, si vous allez sur mon mur, vous allez constater que j'ai fait un poste. Et pour moi, je n'étais pas dupe, mais je jouais le jeu. J'ai fait un poste pour dire... félicitations, monsieur, pour la première fois, j'allais le féliciter. Félicitations, monsieur, non, ça fait la deuxième fois. Je l'ai félicité quand Simone Gbagbo est sorti. Et je le félicitais encore pour avoir dit qu'il ne se présentait pas. Quoique, je n'étais pas convaincu que ce monsieur-là respecte sa parole. Vous savez pourquoi? Mais parce que le prophète Laurent Gbagbo avait parlé. Oui, le prophète Laurent Gbagbo. Voilà. Le prophète Laurent Gbagbo avait parlé. Et ce prophète-là a dit, Ouattara est un menteur. Donc quand j'ai fini de faire mon poste quelques jours après, la voix de ce prophète-là a résonné. Ouattara est un menteur. Il dit, je n'ai pas écouté le prophète Gbagbo. Ah, c'est vrai que le prophète Gbagbo avait parlé que Ouattara est un menteur. Ah, d'accord. Ouattara est un menteur. Ok, d'accord. Et c'est là que je me rends compte que Ouattara n'allait pas respecter sa parole, jusqu'à ce que Gon Coulibaly meure, et que pendant que son cadavre est encore chaud, pendant que le monsieur vient de tomber, il ne se focalise pas à comment l'enterrer, ils sont en train de dire déjà, Ouattara est notre candidat. Ça veut dire que, comme si on l'a tué exprès, pour que Ouattara vienne se présenter. Et c'est incroyable ce que Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, voilà ce que les gens disent. Ils disent, ah non, la Constitution remet tout à zéro. Mais frère, pour faire deux mandats maintenant, plus de deux mandats en Côte d'Ivoire, c'est facile. Je vous dis comment. Partagez, s'il vous plaît. Je vous dis comment on peut faire plus de deux mandats en Côte d'Ivoire. Partagez. Je vous dis ça tout de suite. Comment quelqu'un peut faire deux mandats en Côte d'Ivoire? C'est très simple. Voilà. Pour faire deux mandats en Côte d'Ivoire, c'est très simple. Je vais vous montrer. Permettez-moi de réfléchir, d'écrire un truc rapidement et je vais vous dire comment on fait deux mandats en Côte d'Ivoire. Eh bien, pour faire deux mandats en Côte d'Ivoire, vous faites juste comme Alassane Ouattara, comme beaucoup de présidents africains d'ailleurs. Vous arrivez au pouvoir par les moyens que vous avez à pompe pour lui, c'est la violence, le sang, la communauté internationale, les bombes, la rébellion, et puis, etc. Donc, tout ça là, vous mettez ça ensemble et vous arrivez au pouvoir. Et quand vous arrivez au pouvoir, pour faire plus de deux mandats, je vous explique comment c'est. Voilà. Pour faire plus de deux mandats, voilà comment ça se passe. Et donc, pour faire plus de deux mandats, ce que vous faites, c'est que vous faites votre premier mandat et dans le courant de votre deuxième mandat, vous modifiez la Constitution. Vous modifiez la Constitution. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Quand vous finissez de modifier la Constitution, vous mettez dedans une clause ou bien vous ne rendez pas cette clause totalement lisible et claire, ou bien vous mettez dedans une clause qui vous garantisse un nouveau mandat. Et même si cette clause n'est pas trop claire, mais vous pouvez interpréter de façon individuelle la Constitution pour vous donner la possibilité de vous présenter. Et donc, cette nouvelle Constitution-là, vous l'appelez Constitution, par exemple, de la 4e République. Donc, quand vous avez déjà fait deux mandats dans la Première République,
dans la Troisième République, vous vous arrangez à faire une constitution de la Quatrième République et vous dites les comtés sont remis à zéro. Donc vous avez deux autres mandats. Ça fait combien? Ça fait 4 mandats. Multiplié par 5, ça fait 20 ans de pouvoir. Mais c'est très simple. Dans le courant de votre deuxième mandat, de la Quatrième République, si vous voulez rester encore, c'est très simple. Vous changez encore la constitution. Et quand vous finissez de changer la constitution, vous changez la constitution. Et maintenant, quand vous finissez de changer la constitution, vous faites quoi? Vous changez la constitution et puis vous mettez dedans encore une clause qui vous garantisse de vous présenter encore à d'autres élections. Donc, vous avez encore deux mandats sous la 5e République. Voilà comment la Côte d'Ivoire veut fonctionner. Et voilà comment les pays africains veulent fonctionner. Mais surtout, voilà ce que Alassane Ouattara a voulu faire. En fait, son jeu là, tout le monde savait ça. Ouattara aime le pouvoir, il n'est pas prêt à laisser le pouvoir. Il n'est pas prêt. Mais j'ai mal parce que la plupart des chefs d'État n'apprennent pas des autres. Ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas qu'il y a d'autres qui ont essayé ces forcing-là. Ils n'apprennent pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé ces forcing-là. Et aujourd'hui, qui sont où? Il en héberge même un. Il s'appelle Blaise Compaoré. Il en héberge même un qui, lui, a eu tous les conseils de tout le monde pour ne pas toucher à la Constitution, pour ne pas forcer le passage afin de se représenter. Et pour, afin de se représenter. Mais il a été têtu. En fait, Blaise Compaoré, pendant longtemps, a dirigé le Burkina. Mais il ne connaissait pas les Burkinabés. Et c'est la même chose que Alassane Ouattara est en train de faire. En fait, Alassane Ouattara ne connaît pas encore les Ivoiriens. Pour lui, il pense que comme il a l'armée avec lui, il pense que comme il a le pouvoir avec lui, il pense que comme pendant 10 ans, il a terrorisé les Ivoiriens, qu'il suffira juste de sortir des chars, de sortir des armes, et les gens vont rentrer chez eux à la maison. Voilà comment Alassane Ouattara réfléchit. Il doit toujours perpétuer cette oligarchie du RDR, parce que ces gens-là volent matin, midi, soir. Ils volent matin, midi, soir. Et personne ne peut leur parler. Et quand je vous dis, ils volent, mais ils sont, il n'y a pas un gouvernement qui a le plus volé que ce gouvernement que vous voyez. Ou un simple député peut aller retirer 1 milliard cash de son compte et puis il tire des photos, il fait un selfie et puis ça va pas. Voilà ce à quoi Alassane Ouattara nous a habitués. Voilà comment le pays est devenu. Alors Alassane Ouattara veut se présenter. Viens te présenter à toi. En fait, il y a la mort qui bipe souvent des gens. Quand la mort les bipe là, ils ne peuvent pas reconnaître le numéro. Comme ils ne connaissent pas le numéro, ils décrochent. Voilà. On te parle. Et j'ai constaté que même les chefs de village, en fait, ils détestent Ouattara. Ouattara, ce n'est pas ça. Les chefs de village, là, eux, ils ne vont jamais venir dire Ouattara, il ne faut pas te prêter. Voilà, c'est bon? Tout le monde encore là?